Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire le texte de lecture sur la page 142. Le rossignol de l'empereur. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bulbule et qui était son ami. Bulbule venait manger dans sa main et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbule, qui avait un joli ramage, chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Un jour, son ministre lui dit, « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le rossignol si joli et il écouta si souvent sa chanson qu'il oublia Bulbule. Et Bulbule serait mort de faim si la petite de la cuisinière ne l'avait adopté. Mais à force de remonter le rossignol mécanique, la clé cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put la raccommoder. L'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Tous les médecins du royaume se présentèrent au chevet du roi. Ils ne trouvèrent aucun remède à sa maladie. Le roi est toujours triste et mélancolique. Le ministre décida de donner une forte somme d'argent à la personne qui remit le roi sur pied. Plusieurs personnes se présentèrent, mais sans résultat. Deux jours après, la petite cuisinière alla voir le ministre et lui proposa de guérir le roi. Surpris, le ministre lui demanda, « Comment ?»« C'est simple, » répondit-elle. Une nuit qu'il était près de mourir, l'empereur entendit, soudain, à côté de son lit, une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bulbule qui chantait, et Bulbule chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh, Bulbule, » dit l'empereur, « ton plumage est moins joli, et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami. Et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur, reconnaissant, commanda pour Bulbule une cage d'or et une petite couronne de diamants. Le ministre lui donna à la petite cuisinière un coffret plein d'argent, de beaux vêtements et la nomma à la tête du personnel de cuisine. Jean Lemaître, ABC, MAM Édition. Bien, alors ici le titre, il est sous forme d'un groupe nominal. Voilà, le rossignol, c'est un nom, d'accord, c'est un nom masculin. Le rossignol de qui? C'est le rossignol de l'empereur. Alors, de l'empereur, c'est un complément du nom. Le rossignol de l'empereur. Ici, on a un nom et un complément, ce qu'on appelle un groupe nominal. D'accord? Le texte ici va parler de quoi ou bien il s'agit de quoi? Il s'agit d'un empereur et son rossignol. Ils sont deux amis, le rossignol et l'empereur sont deux amis. Alors, comme vous voyez ici sur l'illustration, d'accord, on voit l'empereur et on voit aussi le rossignol qui mangeait sur la main, d'accord, de l'empereur. On disait ce sont deux amis. Ici, on voit un château. C'est l'habitation de l'empereur.
en bas, sur la terre ou bien sur le sol, il y a des plantes et l'empereur qui portait des habits qui sont jolis, d'accord? Qui vient avec un, qui vont, pardon, avec l'empereur. Bien, dans ce texte ici, il s'agit d'un rossignol qui est un bon ami de l'empereur. Alors, quand l'empereur ne pouvait pas dormir la nuit, c'est le rossignol qui chantait la nuit jusqu'à ce que l'empereur oublia tous ses problèmes, comme on a dit ici, tous les soucis de son métier. Mais un jour, le ministre, d'accord, c'est quelqu'un qui travaille chez l'empereur. Il vient, il lui dit, voilà, je connais un oiseau ou bien un rossignol qui chante aussi le jour. Mais ici, il s'agit d'un oiseau qui est mécanique, c'est-à-dire qu'on peut travailler, mais à l'aide d'une clé. Un jour, ce oiseau mécanique est tombé en panne, d'accord? Et le rossignol qui était un ami de l'empereur, et il est avec la cuisinière. C'est la petite cuisinière qui l'a adopté. C'est-à-dire, il prend soin de lui. Il mourait de faim. Ça y est, il n'est plus un ami parce que le rossignol mécanique a pris sa place. D'accord? Mais quand le rossignol mécanique s'arrête ou bien cessa de chanter car la clé est tombée en panne, il ne marche plus, d'accord? L'empereur est tombé malade et il devint aussi très triste. Bien, ici c'est la cuisinière qui va intervenir et il va présenter l'oiseau au rossignol qui va chanter à côté du lit de l'empereur et l'empereur va revenir à la vie. Ça y est, il n'est plus malade parce que son ami, le rossignol, est revenu et il chante pour l'empereur. D'accord? Ici, on voit que le rossignol est un bon ami pour l'empereur et c'est tout à fait différent un rossignol qui est vrai d'un rossignol qui est mécanique parce que il est fort possible que l'oiseau mécanique un jour va tomber en panne, d'accord, comme ici dans cette histoire, et il ne va plus chanter. Bon, maintenant on va travailler les questions de compréhension. On passe à la rubrique « Je comprends ». Bien. Alors, je comprends. Qui était le propriétaire du rossignol? Bien. On a dit le rossignol et l'empereur, ce sont deux amis. Bien. Alors, le propriétaire, voilà. J'ai essayé d'écrire les réponses. Le propriétaire du rossignol est l'empereur de Chine. D'accord? Numéro 2. Que faisait Bulbule? Alors, ici, on a dit le rossignol, il chante pour l'empereur pendant la nuit quand l'empereur n'arrive pas à dormir, quand il a des problèmes, il a des soucis et il n'arrive pas à dormir. D'accord? Alors voilà, Bulbule chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Les soucis, ce sont les problèmes. S'il a des problèmes et il n'arrive pas à dormir. C'est Bulbule qui chantait d'une très jolie voix jusqu'à ce que l'empereur pouvait dormir. Numéro 3. Que proposait le ministre à l'empereur? Alors, proposer, c'est dire, d'accord? C'est présenter
présenter quelque chose, c'est-à-dire présenter une préposition. Alors que proposer, présenter une proposition, pardon, proposition. C'est-à-dire, ici, le ministre, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a vu Bulbul qui chantait toutes les nuits, il vient chez l'empereur et il lui dit, voilà, je connais, voilà ici dans le texte, on a la phrase du ministre. Voilà, un jour, son ministre lui dit, je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. Donc, voilà la réponse. Le ministre propose à l'empereur qu'il connaît un oiseau, c'est-à-dire un rossignol, un autre rossignol, qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. Maintenant, numéro 4. De quel oiseau s'agit-il? C'est-à-dire de quel oiseau parlait le ministre? Bien sûr, il s'agit d'un oiseau mécanique qui marchait ou bien qui fonctionne à clé. Le ministre, voilà, il s'agit d'un oiseau mécanique que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Bien, numéro 5. Que ferait la petite cuisinière? Alors ici, quand le ministre a présenté sa proposition et qu'il a apporté un oiseau mécanique qu'on remontait à l'aide d'une clé, le rossignol Bulbul était très fin parce que l'empereur qui était son ami ne prenait jamais soin de lui. Alors c'est la cuisinière ici qui va s'occuper ou bien qui va adopter le rossignol Bulbul, d'accord? Voilà, la petite cuisinière adopta Bulbul. Adopta, c'est elle qui va prendre soin de Bulbul. Numéro 6, pourquoi l'oiseau cessa de chanter? Ici, c'est arrêté. Ça y est, il ne chante plus. Ici, il s'agit du oiseau mécanique. D'accord? L'oiseau cessa de chanter car la clé cassa. Pourquoi? Parce que à force de remonter l'oiseau, c'est-à-dire le remonter avec une clé pour le faire chanter. Donc, c'est comme un jouet ici. À force de marcher ou bien de faire fonctionner ce jouet, un jour, il va tomber malade, comme ici. La clé cassa. Ça y est, l'oiseau, c'est ça de chanter. Pourquoi? Car la clé cassa. 7. Qu'arrive-t-il à l'empereur? Ici, quand l'oiseau mécanique a cessé de chanter, qu'arrive-t-il à l'empereur? L'empereur, on a dit dans le texte qu'il est devenu si triste, très triste, et aussi il est tombé malade. Voilà. L'empereur devint si triste, c'est-à-dire très triste, qu'il tomba gravement malade. D'accord? Il est tombé malade, il est devenu si triste, car l'oiseau mécanique ne chantait plus. Voilà, numéro 8. Pourquoi il devint si triste? Il devint si triste car son ami Bulbul ne chantait plus et aussi le rossignol mécanique cessa de chanter quand la clé est cassée. D'accord? C'est la petite cuisinière. Ici, c'est numéro 9. Voilà. Numéro 9, je vais lire la question. Qui le sauva? Voilà. C'est la petite cuisinière qui le sauva. Comment? En lui apportant le rossignol Bulbul, qui chantait d'une voix très jolie.
comme on a dit dans le texte, d'une voix mélodieuse. Alors, mélodieuse, c'est-à-dire une voix qui est très jolie. Et numéro 10, comment l'empereur remercia Bulbul? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait l'empereur quand il a entendu une deuxième fois le chant du rossignol Bulbul? Alors, ici, le roi était très, très content et il revient à la vie, aussi il se sentait bien guéri. Alors, il va récompenser, bien sûr, la cuisinière. D'accord? Voilà. L'empereur commanda pour Bulbul une cage d'or. Alors, la cage, c'est une petite maison où on mettait Bulbul. D'accord? Mais ici, c'est une cage d'or. Donc, c'est une cage qui est si précieuse. Parce que c'est une cage d'or. Et une petite couronne de diamants. Voilà. Qui est-ce qui met la couronne sur sa tête? C'est le roi ou bien la reine de diamants. Alors, numéro 11. Qui chantait près du lit de l'empereur? Alors, bien sûr, c'est Bulbul. C'est le rossignol Bulbul qui chantait près du lit de l'empereur. Bien. Maintenant, on va travailler la rubrique « J'enrichis mon capital lexical ». Voilà, enrichir le capital lexical, c'est-à-dire avoir un nouveau lexique. Mémoriser un nouveau lexique pour écrire, par exemple, des productions d'écrit. Voilà, choisir dans la parenthèse le mot qui peut remplacer le mot souligné dans chaque phrase. On a des mots soulignés, on va choisir la signification ou bien le mot qui convient à ce mot-là qui est souligné. Ah, Bulbul qui avait un joli ramage chantait si bien. On a dit ramage, c'est le chant. Alors ici, on va remplacer le mot ramage par le mot chant. Bulbul qui avait un joli chant chantait si bien. Et je vais barrer plumage et corps. B, l'empereur fut complètement guéri. L'empereur fut complètement, c'est-à-dire totalement guéri. Ça y est, il n'est plus malade. Il est guéri totalement. Alors ici, guéri, c'est le verbe guérir. Donc, rétabli, content, c'est non. Content, c'est heureux. Malheureux, c'est le contraire de heureux. Alors, on va remplacer ce verbe-là par le verbe rétablir. Donc, l'empereur fut complètement rétabli. Numéro 2, relie chaque expression à sa définition. Il entendit soudain à côté de son lit. Donc, soudain, on a totalement, rarement, et tout à coup. Alors, je vais compléter par tout à coup. Il entendit soudain, il entendit tout à coup à côté de son lit. L'empereur fut complètement guéri. Alors, l'adverbe complètement, on peut le remplacer par l'adverbe totalement. L'empereur fut totalement guéri. Tu ne chantes pas tout le temps. C'est-à-dire toute la journée, le jour et aussi la nuit. Alors ici, tout le temps, on peut remplacer tu ne chantes pas, tu chantes, on va enlever ne pas. Tu chantes rarement. Voilà. Ici, l'empereur désigne Bulbul. Pourquoi? Parce que Bulbul chantait seulement la nuit. Donc, tu chantes rarement. Alors, on s'arrête là. Je vous dis merci.
J'espère que cette leçon vous plaira et je vous dis à très bientôt. Merci.